l'art de réaliser une vraie crème anglaise de chef inratable, c'est ça? Exactement. Ça, ça m'intéresse. Donc, on va mettre nos jaunes d'œufs dans le saladier. Donc là, il y en a 6. Exactement. On va verser 100 g de sucre. Il faut bien mélanger, il faut faire ce qu'on appelle blanchir les jaunes d'œufs. Oh là, c'est un atelier musculation aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai mis à chauffer notre lait qu'on a fait bouillir la veille avec notre gousse de vanille, refroidi, laissé au frigo. Ah, comme ça, pour ça infuse vanille... bien. Ouais, exactement, oh. Parce que comme ça, la vanille, c'est quand même un produit onéreux et un peu rare. Donc, ce qui est bon dans la crème anglaise, c'est la vanille. Ça réchauffe. Là, il commence vraiment à bien bouillir. Il faut presque qu'il monte très fort. Il commence à bien mousser. Et là, je vais tout verser d'un coup sur notre mélange. Allez-y, mélangez. Pendant ce temps-là, moi, j'ai remis ma casserole vide sur le feu et je vais reverser tout d'un coup, ce qui va faire un choc thermique. D'accord. Et c'est là, ça, en fait, le secret. Et là, vous allez compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, vous comptez vite, quand même. Oui, je compte vite parce que je suis pressée de goûter, en fait. C'est ça, chef. Et re-choc thermique, du coup. Voilà, là, on stoppe la cuisson. Et nos jaunes ne sont pas brûlés. Voilà, ça ne fait pas de grumeaux. Elle est belle, hein. Alors, petite astuce. Comment on fait pour savoir si elle est bien... Si elle est cuite. Si elle est cuite. Donc, on va tremper notre cuillère dedans et on va passer notre doigt. Et regardez, ça reste, la ligne reste. Oh. Donc, en fait, on voit qu'elle est cuite parfaitement. Vous êtes fort, chef. Sinon, bon, ça coule. L'idée, c'est de la mettre au frais, de la réserver. Voilà, la laisser refroidir. Hein. Faut la laisser refroidir, qu'elle soit bien fraîche. Parce la que prof, là, je... trempette. Avec un petit financier. Donc, avec des petits biscuits, des fruits, des... Elle est tellement bonne qu'on a envie de la manger à la cuillère. Ouais. À vous de jouer maintenant.